Et bonjour internautatrices et internautateurs, nous retrouvons le clan du cygne dans Geldenbourg. Nous allons faire des tombes pour eux, parce que vous voyez, à chaque fois qu'il passe là, en fait, il se chope un sacré débuff. Lui, on ne le voit pas, mais on le voit sur Ardarine. Les cadavres putréfiés, ils n'aiment pas trop, vous voyez, ce moins 30 d'humeur. C'est quand même pas génial. Donc, il y a deux solutions. Soit vous créez des tombes. Vous pouvez faire des tombes, voilà, pour enterrer tout le monde. L'autre solution, c'est de créer un truc qui va brûler tout le monde. Que vous trouvez ici. C'est pas la fonderie, c'est le four crématoire. Je vais en faire un je vais en faire un banc calcaire, comme d'hab. C'est comme définitivement ce que j'ai le plus. Je vais le construire. Où est-ce que je vais le construire? Pour l'instant, pas génial. Je vais le mettre là. C'est pas génial. Alors c'est un truc qui peut pas du tout se déplacer après, donc il faut quand même un peu réfléchir à ce qu'on fait. Alors je peux aussi me dire qu'en général, le four crématoire n'a pas besoin qu'il soit trop proche. Je peux le mettre à la limite près de ma décharge. Ouais, à la limite, je vais faire ça comme ça. C'est juste qu'il me faudra un approvisionnement en courant. Un approvisionnement en courant. Je vais le mettre par là. Allez. Comme ça fait un peu à mi-chemin. Je vais le recouvrir d'un toit. Hop. Voilà, pour éviter les courjus. Et je vais donc lui mettre un câble électrique qui le relie à mon générateur. Et donc ensuite, je vérifierai que je vais lui mettrai comme consigne de détruire cela. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, mon idéologion. Je dois avoir un animal préféré. Non, je n'ai pas d'animal vénéré. Bon. Bon, je ferai, je referai une variante. Même pour ça, il faudrait que je récupère Malvinette! Reviens-nous. Il faudrait que je la récupère pour pouvoir refaire des fiestas. Opportunité de rituel à venir. Ouais, je vais peut-être le faire. Bon, la crise de la bouffe. Voilà, Ardarine. Redevient psychotique. Ça va durer combien de temps encore son fiston? 25. Oh la vache! Oh, 12. Pas bon, normal. Je pense que si mon fiston mourait, je serais peut-être pas très joyeux non plus, mais. Mais bon, c'est la loose. Elsie 2,4 et toi 4,1 et Roro 6,8. Tiens, ça tu vas arrêter de l'attribuer à un prisonnier, tu vas l'attribuer à Roro. Loury s'en charge, très bien. Non. Allez, hop, va ici Roro. Un cerf s'est laissé friser. Eh bien, c'est formidable, j'en suis fort heureux. Ça va me faire de la bouffe, hein. Parce que franchement, j'en ai rien à secouer. Hop. Petit
petite pause dans l'enregistrement. J'ai un coup de fil, j'ai pas fait gaffe que j'avais laissé le jeu tourner. Donc du coup, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas suivi les 3 dernières minutes. J'espère qu'il n'y a pas eu d'événement dramatique. Ma binouze se fait, c'est très bien. Pourquoi est-ce que là, ils ne mettent pas ça? Bon, j'en sais rien. Anès a donné naissance, très bien aussi. J'avais dit qu'il fallait que je la renomme Carlette. Tac. Où est-ce que ça? Pardon. Carlettine. Hop, Carlettine. Bien, j'ai 240 calcaires, ça va pas me permettre de faire tout ça. Donc il va falloir que je mine un peu. Je vais miner autour. Ça, il faut que je mine de toute façon. Je peux miner là. Ça me permettra de récupérer un peu de métal en même temps. Tac. Et puis, je vais dégager un peu le passage là également. Et puis là, allez, soyons fous. Allez, on réaccélère. Pardon, il faut d'abord que les chasser. Mais il me faudrait Ardarine quand même qui fait partie de mes bons soldats. Allez, Ardarine, sois fort, tu peux le faire. Carlettine est en gestation, ça n'arrête pas. Bande de lapins. Ici, je perds un peu de temps à faire mes trucs de bois là. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi est-ce que je fais ça alors que je pourrais faire. Je pourrais faire quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? De coton. Le coton, c'est quand même pas super utile. Du bois, j'en ai quand même la foison. Tiens, je pourrais faire de l'herbe à foin. Sauf que. Pour l'instant, ça va. Non, pour l'instant, j'avais pas besoin d'herbe à foin. Allez, fais-moi des racines de vie en plus. Même si je les ai revendues, ça se revend quand même pas si mal que ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable, mais c'est à la fois utile et rentable. Le truc, c'est que c'est très long comme. Mais combien de temps? Ça met 7 jours pour croître. Effectivement beaucoup plus long que par exemple du Smokleaf. Ah ben non, le Smokleaf c'est 7,5. Le houblon c'est combien? 5 jours. Mais le houblon derrière ça, il faut voilà, s'en occuper parce que si on s'en occupe pas, ben ça pourrit. Enfin, ça prend de la place déjà et ça pourrit. Alors, c'est l'automne et Ardarine est toujours en PLS. Ardarine m'emmerde. Pardon, désolé Ardarine. J'ai rien contre toi. Juste contre ton avatar. Alors, fête sauvage. Allez, on va faire une fête sauvage, mais pour ça. J'ai combien de temps pour la faire?
Fête sauvage. Alors, je peux faire un avènement des hommes zen. Participer. Ok. Exécution publique, on va éviter. Il dit la fête sauvage. Un feu de camp allumé ou un lieu de rituel. Oui, mais c'est ça. Non? Les hommes zénistes, d'accord, célèbre la fête sauvage. Ok. Quentin d'arrière un peu mieux. Voilà. Ok. Bon, là, ils sont tous en train de pioncer. On fera juste après. On fait la fête sauvage et après on va aller arrêter ce brouillard. Même si c'est pas catastrophique. Hop, c'est bon, lance une boue, non pas encore. 6h du mat. Allez, faisons la teuf. Ouf, chef présent. Ah ouais, d'accord. Non, je vais peut-être pas le faire en fait. Il y a en gros une chance sur deux que ça se passe pas terrible. Hein. Bon, ok, on va pas le faire. Tant pis, on va directement aller chasser la galinette cendrée. Non, le castor, l'alpha castor, mangeur d'hommes. Hop, avec nos quatre soldats. Donc c'est Ardarine, Papillote, Célestine et Zmoï. Alors, Ardarine, Célestine, Papillote et Zmoï. Ouais, donc c'est comme c'est ceux qui ont les casques, c'est plus facile à repérer. Hop. Là, je vais pas faire de commerce. Pourquoi tu m'emportes de la viande? Ah, ben j'ai des carnivores dans le lot. Ils sont de quel. Ouais. Naturaliste. Non, c'est pas Zmoï. C'est pas les hommes zen. C'est Papillote. Ah, et mangeur sanglant, c'est ça. Cannibale. Cannibalisme requis fort. Super, quoi. Bande de sauvages. Bon, bah, prendre la viande de gazelle si tu veux. Par contre, tu vas pas me prendre des médocs avancés. L'herbe médicinale et les médocs normaux, ça m'ira très bien. Hop, et c'est parti. 1,7 jours de bouffe, peut-être un peu plus. Ah ouais, j'ai 8 places. Ah, c'est pour ça. Bon, d'accord. Ok, tu vas d'abord me faire de la bouffe. Avant que je ne fasse ma cuisine et 4 plats simples. Allez, au taf. Mais non, Onyx! Oh, tu fais chier! Il faudra comme embêter. Qui d'autre peut me faire de la bouffe? Mais. Mangazor. Hop. Voilà, cuisine qui est plus simple. Ah, Laurie, il bouffe. Il a bouffé de la viande de cache, quoi. Non, j'ai vu que tu fasses la bouffe. En plus, j'ai Onyx qui m'embarque tout. Bah, du coup, j'ai besoin d'aller chasser encore.
Hop. Lucère de la biche. Hop. À la chasse. Et pourquoi est-ce qu'il mange de la nourriture crue alors que... Je comprends pas un truc. J'ai compris. Donc le problème, c'est que eux, ils veulent pas manger des plats dans lesquels il y a de la viande. Donc du coup, ils préfèrent manger de la viande crue. C'est d'une logique imparable. Ok, bon bah je comprends pas tout, mais ah oui, je vais mettre dinde. Ouais, bah, je vais faire la dinde et puis ensuite bah je suis mis dans le texte lecteur psychique, ça fait quoi dans les factures limitées? Bref, plus 35 de bonne entente, ça c'est pas mal. C'est pas ouf non plus, on va prendre de l'honneur pour la marine. Allez. La dinde. Elle est où la dinde? Ah oui, ça c'est mon fameux mercenaire. Qui ne fait rien que du repos. C'est bien pour le. Du coup, il doit avoir les boules que j'aille chasser. Animal abattu. Oh, putain. Putain de merde. Je vais pas y arriver. Mais arrête de nettoyer les gravats rocheux, toi. Mangazor, je veux que tu me priorises le fait de faire de la bouffe. Ah, Onyx a fini sa crise, tant mieux. Donc, du coup, Mangazor, passer en deux. La résistance de Louis est passée à zéro, formidable. Non, de Delcy. Ok, là, c'est pareil, c'est quasiment recruté. Bon, il va vraiment falloir que je me... Ouais, c'est mon plus, je commence à voir. Davantage de comment davantage de calcaire, donc je vais pouvoir faire une pièce de plus sauf les bancs murales, celui-là tu vas pas me le faire. Voilà, coupe-moi les arbres, il faut que je fasse. Voilà, Elsie a recruté, tac. Alors Elsie, Elsie, tu es une bonne soldate, globalement. T'es pas ouf à côté de ça, mais t'es une bonne soldate. Oh, t'es jeune, 15 ans. Donc du coup, Elsie, tu vas être soldat avec comme priorité, geôlier, c'est pas mal. Chasseur. C'est très bien. Et ben, ta priorité, ça va être de t'occuper de nettoyer artisanat. Ça viendra en deux. Je commence à voir tout ce qu'il me faut en artisan maintenant. Forestier, c'est toujours utile. Dresseur, ça peut toujours être utile quand tu sais pas quoi faire. Tu vas faire un peu de recherche, même si t'es pas bon. Et on fait. Hop. Elsie, tac, tac. Ouais, du coup, j'avais dit que j'irais faire le. Ah oui, il faut une arme aussi. Qu'est-ce que j'ai à te proposer? J'ai pas grand-chose à te proposer.
Qu'est-ce que je peux te faire? Pas grand-chose. Mais rare de zut. Merde de zut, il te faut un casque de plus, mais non, c'est bon le casque. Eh ben, tu vas prendre des grenades, ça peut être bien. Il faut faire un peu gaffe, mais. Mais arrêtez de bouffer de la viande crue, bande de trous de balles. Pardon. Ils sont cons, je vous jure. Et elle aime chasser les ânes, les dindes, les dindons. L'âne avait été arrivé. Alors, pour récupérer Baldwin. Ah, formidable. Formidable. Formidable, alors qu'est-ce qui va aller m'emmener? Surtout sa perpète, papillote. Ensuite, tu m'amèneras porter Balwin. Tac. Non. Je veux que tu l'amènes placer Balwin dans la navette. Et ensuite, tac, tu peux te démobiliser et toi tu peux. Bim! Wouhou! Neuroformateur psychique. Je sais pas à quoi ça sert, qu'est achevé garder Balloon. Je suis content. Bim. Alors, ça fait quoi ça, neuroformateur psychique? Un appareil ergothèque qui développe ou améliore le lien du cerveau de l'utilisateur à un champ psychique plus vaste. L'utilisateur presse l'unité contre ses yeux, d'où l'appareil s'insère ses berques. Restructure une partie du cerveau. Après cela, l'appareil se désintègre en cendres. Et ça permet d'avoir un lien psychique. Ah, d'accord. Oui, donc ça, c'est ce que pourrait faire Ardarine le jour où je me serais décidé à faire sa cérémonie de passage, en quelque sorte. Mais je ne l'ai pas encore fait. Ok. C'est quoi cette dinde? Son animal favori. Bon, qu'est-ce qu'elle fout, Baroque, là? Ah, elle est là. D'accord. Ok. Bon, Baroque est là. Salut, Baroque. Je ne l'avais pas vu. Tiens, comme j'ai pas beaucoup de bouffe, je vais récolter tout ce qui est mature. Voilà. Ça fait de la bouffe en plus. Un chasseur n'a pas. Oui, je sais que t'as pas d'armes à distance, je suis au courant. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais il se trouve que c'est le cas. Tu m'envoies désolé. Je pourrais mettre un arc, mais bon, c'est tellement pourrave que. Pourquoi t'es pas joueuse, toi? Pas de conquête récente. Ah ouais, c'est sympa ça. Jalouse de la chambre de Célestine. Formidable. Bien. Excès d'alcool, bah tiens. Dans ce jeu, c'est le drame. Donc là, voilà, c'est chiant parce que j'avais pas fait gaffe qu'elle était jalouse. J'avais pas enregistré ça. Et donc, du coup, quand on a deux jaloux, eh ben, il faut que leur splendeur, donc là j'ai 45 pour la chambre de Célestine, ben, ce soit la même. C'est sûr que pour l'instant, la splendeur va être 34. Donc il va falloir que j'essaye de faire en sorte que ce soit à peu près la même. C'est lourdingue.
bien, je... Il m'en reste... Ah, ça y est, je n'ai plus de mou. Hop, c'est bon. Ah oui, bah forcément. Whistler. Ah, d'accord, j'ai des... Vendeur, Zardarin. Non, mon sociable, c'est Papillote. Papillote qui mine du calcaire. Comme tu raffines du calcaire, tu iras commercer. Et plein de binous à te refiler. Hop. Alors, tu peux me donner. Allez, un arc normal, un arc long, c'est pas génial, mais on fera avec. Tu vas récupérer tout ça, cuir fin, bonnet en tissu, je m'en fous. J'ai pas besoin d'en avoir 50, très clairement. Ce qui est en tissu, j'en vends. Veste renforcée, horrible. Tant pis. Ah merde, t'as pas de sous. Bah écoute, c'est bien dommage. Bien dommage que t'aies pas de sous. Bah, je vais pas te revendre mes gants, mes bonnets. Qu'est-ce que je vais pas te revendre? Ma chemise en tissu normal. Ça, c'est tout pour. Donc, c'est pas bien grave. Non, il faut que je revende moins. Bonnet en tissu normal, on garde. Oui, bah c'est moins de bière du coup. Sinon, il faut que je te prenne. Je vais prendre tes rations de survie en plus, des fois que. Ouais, ça permettra de satisfaire peut-être. Allez, de toute façon. Chapeau en cuir normal. Hop, 35. Allez, bon. Alors, du coup. qu'est-ce qui est pas bon en tir? Broudafa 6-10. 70. Ardarinus, c'est une star. Là, c'est mêlé. Alors, Mangazor pourrait peut-être avoir une meilleure arme que ce pistolet revolver de M. Même chose, revolver de M. Louri, c'est... Donc, Broudaf. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux entre un revolver et un pistolet automatique? DPS avec accuracy. Ouais, le revolver, c'est vraiment tout pourri. Pistolet automatique, c'est un peu mieux. Donc, Broudaf, tu vas aller me prendre. Quand tu auras fini de te relaxer socialement. Est-ce qu'elle n'a pas pris la grenade à frag? Je ne sais pas. Elsie, tu vas aller me chercher ce pistolet automatique. Qui sera toujours mieux que rien du tout. Ah, elle s'est... Ah oui, c'est qu'elle s'est... Elle s'est écrasée à force d'avoir trop picolé. Hop. C'est original, la nourriture se fait rare. Bien, cette chambre est finie. Il reste juste à l'équiper. Donc, est-ce que j'ai... Bah, j'ai encore plein de calcaire, donc... On va faire des copies. Hop. Hop. Et hop. Et c'est en train de me construire un câble électrique. Il va falloir que je fasse aussi un répéteur. Et puis bah des pots de fleurs. Hein. Est-ce que je les fais en bois? Non, je vais les faire en calcaire ou en bois. Tac.
Ah, et de la lumière aussi. Ça peut servir, il paraît. Nouvelle recrue. Alors, Whistler. T'es bon en... T'es pas ouf. En artisanat, si, sociabilité. Ah. Justice, c'est quoi ça? Pillage requis. Suprématisme. Ok. Je sens que ça va pas être facile. La gestion des idéologies, elle est quand même vraiment chaude. Il faut vraiment que je fasse un peu. Ah, alors. Non, en fait, dans l'idée, les dromadaires, c'était pas si mal. C'est dommage que tu me l'aies tué, celui-là. Merde. Alors, je veux. Ok, tu vas m'en garder deux. Ah merde. Ouais, non, en fait, c'était vraiment une connerie. Bon. Donc, il m'a tué un mâle adulte. Ça, c'est bien. Les femelles adultes. Bah, le truc, c'est que quand même, ça apporte pas grand-chose, les ânes. C'est bien pour le transport, mais c'est à peu près tout. Donc, ouais, on va se débarrasser des ânes. Tant pis pour Carlette et Carlito et... Les carlibidules, on se débarrasse des ânes. Allez, tant pis. Je suis un bourreau. Non, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je n'ai pas d'adulte. Comme ça, il va finir de laisser grandir et ça rapportera davantage de. Comme tu auras fini. Je suis cruel. Désolé les ânes. Oui, j'en étais sur Whistler, donc il sera plutôt un ouvrier, du coup. Même s'il n'est pas mauvais, il a pas de. Il n'apprécie pas particulièrement le. Comment? Le travail de tir. Mais bon, il est pas mal quand même. Whistler, tac, tac. Alors Whistler, pardon, il faut que je te renomme. Je te renomme en. Toshiro, qui m'avait demandé lors de l'épisode 2 de rejoindre le camp. Donc il va falloir que je renomme tout de suite après. Achevé, là, geôlier, ça c'est très bien. Sociable, c'est très bien. Constructeur, c'est très bien aussi. Mais tu vas avant tout me faire de la recherche. J'ai besoin d'un bon chercheur. Ouais, c'était pas mal, mais... Tu seras aussi chasseur à tes heures perdues quand le jour où je te trouverai de quoi te faire tirer. Donc je te renomme Whistler. Où es-tu? Tu es là. Et donc on te renomme, on a dit Toshiro. Toshiro, bienvenue à Geldenburg. Non, pas Tashiro. Oh, Toshiro. Oulé. Ok. La nourriture se fait rare, déconne. C'est original comme message. Mais c'est toujours pareil, j'ai un forestier. Alors en fait le problème c'est qu'ils ont tous les deux. Là je vais mettre constructeur 3 pour Broudaf, parce qu'en constructeur j'ai ce qu'il me faut. J'en ai d'autres qui sont plus aptes à faire ça. Zmeuil, même chose. Je préfère que tu me fasses de l'artisanat. C'est quand même ta spécialité que de la construction. Loury. À la limite, Loury, je te passe en constructeur 2. Ça va se développer petit à petit. Mais forestier, j'ai quand même vraiment besoin de gens qui aillent me couper ce qui traîne. Je vais mettre en priorité là-dessus.
tous les deux. Voilà, bien, et ben là-dessus, on va arrêter cet épisode en espérant qu'il vous aura plu. Ah, commandant calcaire, mais pas de bonne qualité. Mal alors pareil. Donc, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement ce que vous auriez fait autrement. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye!